à la maison. Je me suis levé un matin, je voulais prier, comme ça, par la langue. Et Dieu, je n'ai pas prié. Mais là, oui, même peut-être. Mais là, oui, même peut-être nuit. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment intéressant d'être rempli du Saint-Esprit. Ah, il est malin, Kakogoyi. C'est vraiment intéressant. Il est malin. Amen. Ça te mène à comprendre beaucoup de choses. Ça fait de toi un homme spirituel. Jésus dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8. Vous recevez une seule. Vous recevez, non. Dites-moi, envoyez-moi une bouteille. Et moi, je remplis l'eau. Acte 1, le verset 8. Chapitre 1, le verset 8. Acte, nous voulons blanc. Vous avez aimé quoi, ça? Amen. J'ai prié pour une soeur, une de mes filles. Qui voulait être rempli du Saint-Esprit. Nous étions une cérémonie où les gens commençaient à voir. À quoi d'ailleurs quoi c'est désir. Et oui, parce qu'on la délivrance c'est désir parce qu'on veut. Elle voulait tellement être rempli du Saint-Esprit. On a commencé à prier. À qui je vous assure. Le Saint-Esprit est descendu sur cette fille. Pendant 3 jours. Et pas la langue. Elle n'a pas pu manger pendant 3 jours. Il est taqué en bas. Débé. Elle mange. On dit. Tout le monde est étonné. Pourquoi Nicolas parle la langue seulement. Mais cette soeur. Maintenant, non. Quand ça l'a lâché un peu. Putain, encore bien. Moi, j'ai commencé à avoir peur d'elle. Elle peut te dire dans les moindres détails. On y va, elle te dit demain à 8 heures. Ah, c'est quand elle te donne le nom de la personne qui va venir te rendre visite. Encore, il y a telle personne qui va te rendre visite. Même quand, elle a dit à son mari un, tu quittes à la maison. Moi, le jeudi, là. Moi, à 9 heures. Tu vas faire un accident. Elle est tombée dans les bras. Elle a banalisé. On doit 10 ans. Il dit, toi, tu as dit quoi? Tu as dit oh, quoi? Mon accueil, là. Tu as dit quoi? Elle n'a qu'à parler. Elle est pressée. Elle a. Le même jour, on a elle dit, tu s'en vas là. Oh, mais. Tu vas faire accident. Il est tombé. Comme j'ai prié, ça va. Ça. Mais vous, il a banalisé. On était là. Il est revenu à Esparadra sur Kijak. Ok, il y a un moment où. Pas le brise là. Accident. Voilà, tombé. Il est venu. Il a respecté sa femme. Ok, il est venu. Mais quand on a l'esprit de Dieu, Dieu nous donne des dons. Là, quand il n'y en a pas. Il nous donne des dons. On n'y a pas. Et c'est ça l'église. J'aime les paroles. L'église doit avoir des dons. On n'y a aucun impact. Dieu doit nous révéler les choses les plus cachées. Et toi-même de ta vie, de ta maison, de ton quartier. Non, rien ne doit être caché. C'est quoi l'esprit de Dieu? Rien. C'est ça qu'il nous faut l'esprit de Dieu. Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance. Et vous serez mes témoins. Mais regardez les disciples. Les disciples sont partis, effectivement. Ils sont restés dans la chambre haute. En train de prier. Ils ont prié pendant 10 jours. Et c'est ça. Le Saint-Esprit ne fait pas comme ça. Il faut prier. Il a prié pendant 10 jours. Il est combat. Dans Acte du chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. C'était vraiment terrible. Ah, et quand c'est descendu sur eux, c'est comme des flammes de feu. Et vous pouvez consommer Amen. Souvent, quand moi je finis de prier, avec un bouillet, bien. Au moins des heures, 1 heure jusqu'à 5 heures du matin. Donc, bloc, je suis chargé. J'ai l'impression qu'il y a du feu sous moi. Et il y a un consommant, pas bon. Oui, si, si. J'ai l'impression que j'ai un feu sous moi. Et bien, il y a un consommant, pas bon. Un feu très doux. J'ai un consommant, oui. C'est très intéressant. Amen. Et quand tu rentres dans cette dimension, tu peux même avoir l'apparition des anges. Alléluia. Amen. Acte, le chapitre 2. Allons-y. Qui veut la puissance de Dieu? Ah, voilà, quand tu es là. Il faut qu'il y ait la puissance de Dieu. Dis amen. Acte, le chapitre 2. Vous êtes venu à la prière, ou bien vous êtes venu faire des songes, des visions. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Mm-hmm. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Mm-hmm. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, mm-hmm. et se posaient sur chacun d'eux. Mm-hmm.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en d'autres langues. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Amen. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, et que tu es rempli du Saint-Esprit, parce qu'il y a à avoir le Saint-Esprit, et puis être rempli du Saint-Esprit. Amen. Regardez. Donne-moi la bouteille. Regardez. Suivez très bien ici. Ah, bien, bien. Vais seulement, vais seulement. Il y a de l'eau dans la bouteille, dans le verre. Regardez. Vais. Le verre a commencé à faire quoi? Où est-ce? Ça déborde, non? Il y a un bruit, non? La terre va commencer. Forcément, quand ça va commencer à déborder, il va se déclencher quelque chose. Il y aura un signe, le parler en langue. Amen. Et quand ça déborde, ça dit, tout ton corps, après que celui même qui te touche, il ressent une force en lui. Parce que tu es rempli de ça. C'est pour ça qu'il te faut ça. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux témoigner de Jésus-Christ. Ils vont te demander, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il prouve? Voilà, il est là. Tu lui envoies un malade. Il a la bouche, oui. Et puis tu lui demandes à plus de malades. Le malade guérit. Amen. Et quand tu as le Saint-Esprit, il te donne les dons. On n'y en a pas. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un me posait la question. Prophète, tu as combien de dons? Pas du cala. Amen. Amen. J'ai dit, il y a tous les dons. Là, qui est beau. Il me dit, c'est pas possible. Oh non, il me dit, mais quand le Saint-Esprit vient là, là quoi, il y a tout, sa valise là, il vient à moi. Oh non, il y a un quotidien, vous m'en avez là. Ou bien? Ces valises-là, il prend, il vient ici. Il ne prend pas la moitié de ses habits pour venir. C'est toute sa valise qui vient dans mon corps. Amen. Le Saint-Esprit est en toi. C'est comme toi, tu viens aller au marché. C'est, pas là. C'est toi qui décides de la sauce que tu viens préparer. Si tu veux faire sauce grecque, tu veux faire sauce grecque. Oui. Si tu es intéressé par les dons de guérison, ces dons de guérison, celui-là, il est en toi. Mais c'est en toi. Comment? Si c'est ton de guérison, tu t'intéresses. La reine, tu vas au marché, c'est toi qui décides la sauce que tu vas préparer. Si c'est le don de guérison qui t'intéresse, quand tu vas commencer à prier pour les malades, c'est la guérison qui va commencer. Amen. Donc quand le Saint-Esprit vient, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ils ont cette possibilité de parler en langue et de manifester la puissance de Dieu. Il te faut la puissance de Dieu. Amen. 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 Qui veut la puissance de Dieu? Amen. Amen. Adieu, ici nous avons appelé aux gens. Yeah, 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 yeah! 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 Oh, la dernière fois, j'étais tellement rempli du Saint-Esprit. Yeah, ils sont où il y a dans le trou. Je rentre dans ma chambre, mais je suis à terre. Je rentre dans ma chambre, je suis à terre. C'était tellement. Et quand c'est comme ça, j'ai commencé à voir pas mal de choses. Non, Dieu il est merveilleux. Amen. Pour ça que je suis en train d'aller doucement. Doucement. Parce que la semaine prochaine, ça sera une semaine de miracles. Amen. Pour les paralytiques, vous allez marcher ici. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est un chemin de miracle. Iko c'est Nyamalima Ika. Oui.
Il faut que Dieu vous montre à Zaroko. Il est puissant. Non, car ce que vous voyez là, ça c'est rien. Amen. Lui, il a pas fait, il va marcher. La semaine prochaine, c'est une semaine de miracles. Je suis en train de m'apprêter. Je suis dans la présence de Dieu. C'est ça qui m'aide doucement. Je m'aide doucement parce que il faut que l'esprit descende. Il faut que les choses qui n'existaient pas commencent à exister. Il faut que la maladie, il faut que les choses extraordinaires se produisent ici. Tu ne marchais pas, tu as commencé à marcher. Ça, c'est intéressant. On avait une jeune fille qui était enflée. Le Seigneur a opéré le miracle. Je connais la petite, là, il y a une dame, là, une jeune fille. Elle ne parlait pas carrément. Je suis venu là, elle ne parlait pas. Maintenant ça va. Hein? Ça va, non? Sa voix était partie. Maintenant ça va. Mais la semaine prochaine, il y aura une semaine de miracles. Ah, il y a des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Ça serait une semaine de miracles. Parce qu'en temps normal, ici dans le centre, chaque deux semaines, nous avons des retraites. Chaque deux semaines. Chaque deux semaines, nous avons des retraites. Mais croyez à votre miracle. Croyez. C'est tout. Il faut croire. Il faut croire. Il mais ne pensez pas que non, comme le prophète n'est pas là. Non. Dieu est là. Voyez votre miracle. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Allez, nous allons. C'est que vraiment, je crois vrai. Parce que, quand il me veut, je dis qu'on va rater. Et puis, je dis que je demande, je ne sais pas comment. Et puis, après, il y a beaucoup de passé. Je sais que je suis là. Amen. 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 Ici, là, c'est un garage. Amen. J'ai dit aux gens, là où vous voulez voir les gens bizarres, bizarres chez nous. Les hommes les plus bizarres chez nous. Amen. D'accord, merci. Et vous quoi? C'est vous, les mêmes. Bah, qu'est-ce que vous? Nous allons prier. Amen. Amen. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Et moi, comme vous voyez. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Et moi, comme vous voyez. Tout dépend de toi. Et quoi? Et puis moi? Tout dépend de toi. Et comment oui? Il faut que le Saint-Esprit et descende sur toi. Il faut que Dieu te baptise. Et la garçon, nous, pour vous. Amen. Amen. Tu vas commencer à parler. Et quand même, écoute, prier. Dis au Seigneur. Remplis-moi. J'ai besoin de ton esprit. Na kongo. Pendant que tu seras en train de parler, oui, tu vas voir que les choses vont commencer à changer. Oui, en est qui? Si tu sens envie de parler, parle en langue. Les choses vont commencer à changer. Oui, en est tu vas voir qu'une force va tomber sur toi. Il ne faut pas résister, il ne faut pas avoir peur. Parle. Dieu est contre la distraction. Il ne faut pas te distraire. Pendant que tu es en train de parler, crois que tu seras en train de parler en langue. Tu peux croire ton miracle. Lève ta main. N'arrête pas de prier jusqu'à ce que quelque chose change. Vous savez, pourquoi avoir le parler en langue? Il y a un câble très fort. Il est éliminé. Ouvrez les yeux. Un cahier, comment? Quand vous allez vous parler en langue, vous voyez? Moi, quand il y a une situation comme ça en face de moi, au lieu de parler en français, je commence à prier en langue. Ça règle immédiatement le problème. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes. Comment ça veut dire? On dit amen. Amen. Il ne parle pas aux hommes. On quoi dit? Là, vous êtes arrivé, on dit ange. On a quatre dans le cadre. Adieu. La gomme, on a calé, oui. Pas aux anges. Un Christian, mais là, 1 Corinthiens, le chapitre 14. Vous avez quoi, moi? Le verset 2. On fait la lecture. Écoutez très bien. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. À Dieu. Personne ne le comprend. Car personne ne le comprend. C'est ça. On dit personne ne le comprend. Oui, c'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. Vous savez,
Non, c'est tellement intéressant. Ah, et même c'est un esprit qui dit des mystères. Ah, mais c'est où, c'est ça qu'il faut désirer le parler en langue. Mais vous c'est tellement pas. Intéressant. Mais n'avez pas. Amen. Dieu peut vous donner encore le baptême du Saint-Esprit. Mon souhait, c'est que vous ayez des dons. Amen. Que ici dans ce centre, en visitant ce centre, que Dieu vous donne le don de guérison, que Dieu vous donne le don de miracle, que Dieu vous donne le don de vision, que vous ayez des grands dons pour servir d'autres dieux. Amen. Levez la main. On se tient debout. Ils étaient sans infidèles. Vous connaissez ce chant? Aïe, mais non. Vous connaissez ce chant? Vous connaissez ce chant? Aïe, mais non. Allez. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de... Ok, levez les mains. Allez, c'est vous. Levez les mains. Allez, c'est vous. La première des choses, il faut d'abord commencer à regarder à Jésus. Il faut commencer à regarder à Jésus. Dis-toi que maintenant, le ciel est en train de s'ouvrir. Sur ta tête. Le ciel entend de s'ouvrir. Pour faire quelque chose dans ta vie. Et Dieu va te baptiser. Ils ont cru à ça. Il faut croire à ça. Crois tellement à ça. Lève la voix. Prie. Et réclame. Prie. Commence à prier. Ça ne me dit rien, vos prières.
On sent pas que vous êtes présent. Amen. Amen. Vous êtes fatigué. Assez. Levez la main. Adieu, c'est à quoi. Fermez les yeux. Appuyez. Médite à la présence de Jésus. Yéma, j'ai qui coupe encore. Pendant que tes deux mains sont levées. Venez à ce que Dieu veut. Quelque chose se passe. Zéro prêt. Maintenant. Mettez le gobi. Quelque chose est en train de se passer. Oui, mais qui est prêt de quoi? Maintenant. Mettez le gobi. Le Saint-Esprit vient jusqu'à toi. Que est un vent en train de souffler. Vous voyez pas, mettez le vent de l'Esprit. Vous voyez, vous voyez. Le vent du Saint-Esprit. Vous voyez, vous voyez. Et Dieu maintenant. Il est là, il est là. Au niveau de ta tête. Non, non, non. La flamme.